voulais? Donner un témoignage, viens. C'est juste pour remercier Dieu en fait pour tout ce qu'il fait dans ma vie, parce que je me rends compte que il m'aime beaucoup et que il aime chacun de nous beaucoup, et que toutes les fois en fait où j'essaie de m'éloigner en fait de mon Jésus, toutes les fois où j'ai tout fait en fait pour m'écarter de Jésus, j'arrive pas, tout le temps en fait il m'a toujours en fait gardé près de lui. Et pour ça, en fait, je vais vraiment le bénir. Parce qu'il fait tellement plein de choses dans ma vie. J'ai pas forcément grandi avec mes parents. Mais Dieu, c'est vraiment un père pour moi. Quand j'ai des difficultés, ça peut être des soucis d'argent. J'essaye de faire... Des fois, j'en parle pas forcément au Seigneur. Je me dis qu'il s'en chargera. Ou des fois, je lui dis, Seigneur, là, je peux pas m'en occuper. Mais c'est toi, mon père. Est-ce que tu peux t'en charger? Et il ouvre les portes, tout simplement. Et ce Jésus, il est magnifique. Je vais lui demander pardon pour toutes les fois où je me suis éloignée de lui et que j'ai voulu suivre d'autres chemins, alors qu'il a tellement fait. Tellement, tellement fait pour moi. Et il y a une chose aussi que je me dis, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils veulent faire, ils veulent ressembler à plein de personnes. Mais il faut se dire qu'on est tous uniques. Amen. Il ne faut pas envier la bénédiction de ton frère, ta sœur, de ton voisin, de ta copine, non. Dieu, il a un plan pour chacun, un plan différent. Et on est tous uniques. Il faut juste le garder, quoi. Puis voilà. Gloire à Dieu.